prenant place dans la gamme entre le vieillissant i6 et le volumineux Outlander, le nouvel Eclipse Cross vient apporter un peu de son neuf chez le constructeur aux trois diamants. Il reprend la silhouette râblée, les traits extrêmement anguleux et la poupe tronquée du concept XR FEV. L'habitacle se montre quant à lui nettement moins exubérant, même s'il offre toute la technologie qu'on est aujourd'hui en droit d'attendre sur le segment. Pour tenter de tirer son épingle du jeu face au Peugeot 3008, Renault Kadjar et consorts, il pourra compter sur le 2 litres de diesel maison et un nouveau 4 cylindres 1,5 litre essence turbo. Ces blocs seront respectivement disponibles avec une boîte automatique à 8 rapports et une boîte CVT, et associés selon les versions à une transmission intégrale sophistiquée.